on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah, écoutez, on a fait des petits achats car il n'y a pas eu de vidéo en ce moment car j'ai eu des problèmes de téléphone. Du coup, bah, regardez, tac, et puis une coque et une vitre trempée. Alors, on va commencer par ce que vous attendez le plus. On l'a déjà ouvert en magasin parce que c'était pour voir si tout fonctionnait bien. Voilà. C'est l'iPhone 12 mini. Il est super joli. Voilà. Donc, petit moment ASMR. Hop. Ah oui, il y a les écouteurs dans la boîte aussi. Tac. Bon, on va les laisser dans la boîte. C'est toujours mieux. Alors, quand on ouvre le téléphone. Mais il est magnifique. Ça fait un rouge rose, regardez. Il est super beau. Il est magnifique. On va le poser là sur le truc en mousse. Ah, oh, regardez à l'intérieur de la boîte, il y a le truc pour les objectifs. Donc alors, c'est le chargeur. Ah oui, c'est pas par USB, voilà. Donc chargeur Apple. Oupsie, c'est habituel. Donc ça, c'est la notice, voilà. Donc alors en premier, on a Project Red, il y a les instructions. Ensuite, on a le truc pour mettre la carte SIM, là que je vais garder pour y mettre. Et ensuite, on a un autocollant Apple. Voilà. Et puis, les instructions. Alors, on replace ça dans la boîte. Le chargeur. Attendez. Voilà. Tac, je vais chercher mon ancien téléphone. Hop là. On se rassure correctement. Mon ancien téléphone, voilà, c'était l'iPhone 7. Il a quand même bien vécu, hein. C'est juste que l'écran, en fait, il s'allume. Mais, vous voyez, il y a un contraste de lumière. Donc il s'allume, voilà en fait. Il n'y a plus d'écran quoi. Et vu qu'il y a d'autres choses qui sont cassées, le micro, la caméra. C'est pour ça que dans certaines vidéos, ça grésillait le son. C'est à cause de ça. Ah, c'est là. Alors attendez, je vais pas... Comment ça marche? Alors attendez. Je sais pas comment la dame elle a fait au magasin. Attends, elle a ouvert la carte SIM. Attendez. Je vais vérifier sur l'iPhone 7. Ouais, c'est comme ça. Ah, oh, j'ai eu très peur. Hein. Je pense que c'est parce qu'il est neuf. Donc. Ah oui, petit problème. Comment ça marche? Donc, ça va faire. Ah oui, oh là là. Allez, on va essuyer la puce. Tac, on y range. Dans le téléphone, voilà. Donc ça,
on y met de côté ça, on y range, voilà, tac, et on y pose sur le téléphone. Donc voilà, donc avec, on a acheté une coque, parce que c'est pas que si le téléphone n'y coûtait pas bien cher, en fait, c'est pas comme s'il coûtait, je sais pas, on va dire 200 euros, donc voilà, alors. Tac. Alors, voilà, la coque, c'est une coque transparente parce que pour moi, ça sert à rien de prendre un téléphone. Alors, deux couleurs. Si on met une coque de couleur. Alors, la coque, voilà, ça fait ça. À la caméra, ça donne rose, mais c'est un rouge-orange. Il est super beau. Voilà. Donc, on va l'allumer. Et je pense qu'il n'a plus de batterie. Donc, je reviens. Je vais chercher un chargeur, je voilà. Après. Il s'allume. Je l'ai mis en charge. Regardez le petit panda. Hop, alors, on va regarder pour la vitre trempée. Ça que je mettrai quand je serai reposée parce que j'ai pas envie de faire une gaffe. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, bon bah c'est la fin de cette vidéo. Donc bah j'espère que bah, elle vous aura plu. Bah, c'était juste un petit unboxing de mon nouveau téléphone. Du coup, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à liker et à vous abonner. On se retrouve pour de prochaines vidéos avec un nouveau téléphone. Bye!